Bonjour à tous, voici la suite de notre étude exhaustive de toutes les formules de double croche. On arrive à notre avant-dernière vidéo et on va étudier deux nouvelles formules, à savoir quart de soupir, double croche, croche, quart de soupir, croche, double croche. Donc on va étudier ça en détail, mais avant ça, on va essayer de faire une petite impro vocale, ce que vous allez faire à la fin en fait de votre étude, improviser avec votre nouveau vocabulaire, et on va se lancer avec ça. Tata, tata, caca, 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 tata, tata, caca, 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 toutoum, caca, toutoum, caca, toum, 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 tata, tata, con, 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 tata, tata, con, 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 con. Con 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 tata tata con con. Donc première formule, quart de soupir, double croche, croche. Afin de comprendre comment ça fonctionne, on va la comparer à une formule qu'on avait vue au tout début, le tacadie. Le tacadie, 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 c'est-à-dire les trois premières doubles sur les quatre. Il suffit de supprimer la première des doubles par un quart de soupir, mais il reste quart de soupir, double croche, croche. Donc on va comparer les deux déjà au chant. Et je le fais direct sans métronome. D'accord ? On prend une pulsation. Et ça fait tacadie, 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 cadie, 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 tacadie, 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 cadie, cadie. Cadi, cadi, tacadi, 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 cadi, 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 tacadi, 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 cadi, 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 cadi. Maintenant, on va directement essayer de la jouer, c'est-à-dire qu'on inverse en fait le rôle de la voix qui va compter, et c'est les mains cette fois-ci qui vont jouer le rythme. Du coup, on va lui jouer avec le ce que j'appelle le doigté standard, c'est-à-dire que notre tacadie va se jouer droite, gauche, droite. Si on enlève la droite, la première des deux doubles, on va se retrouver avec gauche, droite, gauche, droite. D'accord ? Au niveau du placement par rapport au tacadie, évidemment, vous avez compris que c'est les syllabes K et D. Donc vous allez voir, essayez de synchroniser vos mains sur cadie quand vous comptez à la double croche, comment faire là. Et là, je vais mettre le métronome à 64. Et je fais la même chose, c'est-à-dire que je fais 4 fois le tacadie et 4 fois notre nouvelle formule. Et je vais faire le tour 4 fois, histoire que vous ayez le temps de vous synchroniser avec moi. Donc le métronome est à 64, à la double croche, donc il nous aide au maximum. On commence par compter à la double croche, et on se lance. 1 cadimi, 2 cadimi, 3 cadimi, 4 cadimi, 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 1 cadimi, 2 cadimi, 3 cadimi, 4 cadimi. Alors avec cette formule, on se retrouve avec deux notes qui sont écartées, deux doubles croches rapprochées si vous voulez, et qui ne sont pas sur le temps. Il y a une autre formule qui est comme ça, c'est le dimi, c'est-à-dire les deux dernières doubles. Alors on va essayer de passer de l'un à l'autre pour ne pas les confondre. Donc un petit exercice qu'on peut intituler « Ne pas confondre ». On va commencer par notre nouvelle formule, cadi, quart de soupir, double croche, croche, c'est long à dire, et l'autre formule qu'on a étudiée dans une autre vidéo, qui était demi-soupir, deux doubles. Donc on a bien deuxième et troisième double, ou troisième et quatrième. Et il faut entendre la différence et sentir la différence. Donc on va le faire au chant avec le métronome, et je vais faire 4 de chaque, et on va faire 4 fois pour bien sentir le différent de placement rythmique, comment ça sonne, la différence entre les deux. Donc ne pas confondre les deux, c'est le but de l'exercice. Alors même principe, et là cette fois je vais chanter. Hein. Donc je bats la pulsation avec les mains.
Alors, notre deuxième formule, quart de soupir, croche, double croche, à pas confondre avec la précédente. Évidemment, visuellement, elles se ressemblent, mais là, on a bien la deuxième et quatrième double, hein, ce qu'on pourrait appeler le super contretemps, c'est les fameuses doubles en l'air. Et cette fois, pour la construire, on va la comparer à une formule qu'on a déjà vue par le passé, dans une autre vidéo, c'est le takami. Et là, il suffira d'enlever la double croche qui est sur le temps pour se retrouver avec notre nouvelle formule. On passe de l'une à l'autre et on essaye de rester équilibré. Alors, je commence au chant. J'ai ralenti un peu le tempo pour qu'on ait une chance vraiment de sentir le phénomène. Et on se lance au chant. 1 kadimi, 2 kadimi, 3 kadimi, 4 kadimi, taka, mi taka, mi taka, mi taka, mi ka, mi ka, mi ka, mi ka, mi taka, mi taka, mi taka, mi taka, mi ka, mi ka, mi ka, mi ka, mi taka, mi taka, mi taka, mi taka, mi ka, mi ka, mi ka, mi ka, mi taka, mi taka, mi taka, mi taka, mi ka, mi ka, mi ka, mi ka, mi ta. Alors maintenant, on va essayer de la jouer et on va inverser. Donc la voix va compter à la double croche et on va lui jouer avec les mains. Donc on passe de l'un à l'autre. Le doigté standard, je vous le rappelle, le takami, ben, c'est droite, gauche, gauche. Et du coup, quand on enlève la note qui est sur le temps, il ne reste que des gauches. D'accord ? Donc dans un premier temps, respectez ce doigté standard pour vous habituer à la formule rythmique. Donc, on met notre métronome à 50 à la double croche et je fais 4 fois le tour, 4 temps de chaque. 1 kadimi, 2 kadimi, 3 kadimi, 4 kadimi, 1 kadimi, 2 kadimi, 3 kadimi, 4 kadimi, 2 kadimi, 3 kadimi, 4 kadimi, 1 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 kadimi, 2 kadimi, 3 kadimi, 4 kadimi, 1. Alors vous savez qu'il est intéressant de l'étudier aussi, avec, de le travailler avec différents métronomes. Et là, j'étais à la double croche. Et c'est intéressant, particulièrement celle-là, de le faire aussi avec les croches, le métronome à la croche, puisque justement, on va chanter dans les espaces du métronome. Donc ça va donner ça. Donc on a bien les deux croches. 1 et 2 et 3. Et 4, et ka, mi, 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 ta. Évidemment, c'est intéressant de le sentir aussi avec un métronome à la noire et même en comptant à la noire. Alors là, je vais essayer de passer d'un à l'autre. J'ai mis le métronome à 60, à la noire. Et je vais le chanter, je vais le jouer, je vais essayer de changer de doigté, etc., etc. Pour mettre à l'épreuve cette formule, encore une fois, qui est très déséquilibrante, puisque ce sont toutes les doubles en l'air. Donc, j'essaie de sentir les doubles. Et je me lance. Ka, mi, ka, mi, ka, mi, ka, mi, ka. Mi, je peux m'arrêter un peu. Ka,
mi, ka, mi, ka, mi, ka, mi. Et maintenant je passe au jeu. Ka, mi, ka, mi, ka, mi, ka, mi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, mi, 4, mi, 4, mi, 4, mi. Après, vous le faites dans tous les sens que vous pouvez, vous essayez comme ça de trucs, vous voyez que changer de doigté, ça peut déséquilibrer aussi, donc habituez-vous à le faire avec différents doigtés. Évidemment, là, je tape sur mes cuisses afin que tout le monde puisse le faire avec, sans batterie. Et quand on est saxophoniste, pianiste, etc., évidemment, on peut le faire sur ses cuisses. Donc, j'invite à tout le monde à bosser là-dessus. Évidemment, sur un instrument de percussion ou une batterie, on peut changer de son, etc., et improviser avec. Donc, on va continuer, on va même finir par une petite improvisation où... Là, on va essayer, peut-être pas de rester limité à ces deux formules, mais de les intégrer dans notre improvisation vocale et voir ce qu'il advient, quoi. Donc, comme tout nouveau vocabulaire, c'est bien d'essayer de l'intégrer dans son discours improvisé. D'accord ? Au départ, on essaye d'en mettre beaucoup, une forte quantité du nouveau mot, puis après, on fait ça au feeling, quoi. Ka mi ka mi kadi kadi ka mi ka mi kadi kadi ka mi kadi ka mi kadi 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 ka tu 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 ti 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 kung kung kuti kung kuti kung kuti kung 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 ti kung 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 ti ti kung kung kadi Kadi, kong kong, titi, kong kong.